En quelques phrases, Emmanuel Macron contredit fermement la ministre de la Culture. Retirer la Légion d'honneur à Gérard Depardieu est hors de question, dit-il. La Légion d'honneur est un ordre dont je suis en effet le grand maître, qui n'est pas là pour faire la morale. Et donc, ce n'est pas sur la base d'un reportage ou de telle ou telle chose qu'on enlève la Légion d'honneur à un artiste. Il y a une chose dans laquelle vous ne me verrez jamais, ce sont les chasses à l'homme. Je déteste ça. Je le dis en tant que président de la République, mais en tant que citoyen, il rend fier la France. Il y a quelques jours, Rima Abdul-Malak annonçait qu'une procédure disciplinaire serait engagée par la grande chancellerie de la Légion d'honneur à l'encontre de Gérard Depardieu, visé par 2 plaintes pour viol et agression sexuelle. Pour les associations féministes, Emmanuel Macron a choisi son camp. Il est du côté des agresseurs. On ne peut pas défendre les victimes, se prétendre défendre les victimes et tenir des propos comme ça en pleine interview. Des associations qui se disent d'autant plus choquées qu'il y a 2 semaines, un reportage de complément d'enquête montrait l'acteur enchaîner les propos obscènes à l'égard de femmes, parfois très jeunes. Réaction aussi dans l'opposition de gauche. Les violences faites aux femmes, grande cause du quinquennat, ce président ne croit rien de ce qu'il annonce, quels que soient les sujets. Gérard Depardieu a reçu la Légion d'honneur en 1996 des mains de Jacques Chirac. C'est la plus haute distinction en France.